Parfait. Laisse-le là. Je vais me débrouiller. Agrandissait la famille. J'ai déjà été folle de t'épouser. J'ai toujours peur de te perdre. Toi aussi, tu pourrais y passer. C'est dangereux d'être historienne. Oui, c'est dangereux. Tu fais l'expertise d'un site archéologique mal protégé et soudain, la terre se met à glisser. Brusquement. Tu es engloutie. Tragique, tragique. Heureusement, au dernier moment, j'arrive pour te sauver. Désolé. Il faut que j'y aille. Tu viens avec moi? Je te dépose. Monsieur Schneider, vous êtes le porte-parole du LK de Berlin. Chaque année, à Berlin, nous trouvons 400 bombes environ. Heureusement, nous pouvons pratiquement toutes les désamorcer. Toi, si la bombe a déjà explosé? On doit tout vérifier. Et ça s'est passé sous l'eau, alors on appelle les plongeurs. C'est-à-dire Kalle et moi. Salut Alex, salut Sandra. Salut Kalle. Et on est sous pression. Elka s'en est mêlé parce qu'il y a eu un mort. Il y a eu un mort? Alex, tiens. Merci. Bonsoir chef. Alors, où c'était? Là. Sûrement un souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait évacuer le secteur. On ne voyait rien de l'intérieur, sinon les plongeurs du chantier l'auraient repéré. On va voir ce que je trouve. On va avoir de la visite. Le LKA. Je peux remonter des petits éclats pour que leur laboratoire ait de quoi s'occuper. Tel qu'un bon plongeon au milieu de la nuit. Kalle interviendra en cas de besoin. Je veux que tu me donnes ta position tous les 3 mètres. D'accord. Mais, Kalle, réveille-toi. Où est le dragueur invétéré qui passait toutes ses nuits à faire la fête? Me parle pas des filles. Il n'y a plus que ce boulot. Un faux mouvement et...
apparaît dans une ville fantôme là au fond. Potsdamer Platz. Cave à 25 mètres environ, au sud-est. Je suis les fils. Explosif accablé? Ouais. Vous êtes avec moi? Je viens de faire une drôle de découverte. Je sais pas. Et alors? Qu'est-ce que c'est? C'est un compteur qui ne date pas d'aujourd'hui. Avec des fils électriques qui partent dans tous les sens. Pour le courant? Non, un compteur à ressort qui va redescendre jusqu'à zéro. Troisième Reich. Oh. Une hypothèse un peu hasardeuse. Qui est-ce? Sandra Fechner, ma femme. Elle est historienne, spécialiste du Troisième Reich. Mmh. Il y en a un dans la collection du musée. Ce type de compteur était utilisé à Peenemünde pour le développement des V2. Ça ressemble beaucoup à un compte à rebours. Qui a dû provoquer la déflagration. Mmh. Ce plan est bizarre. Généralement, il porte un signe distinctif ou la marque d'une société. Celui-ci ressemble... Celui-ci, c'est mon affaire. Je vais adresser un rapport détaillé à la commission d'enquête. Je vous en ferai parvenir une copie. C'est un vrai casse-tête chinois, tous ces fils. Je voudrais bien comprendre comment ça fonctionne. Alex, tu vas y retourner.
Excusez-moi, où est le commissaire Lobenstein? Commissaire Lobenstein? Sandra Fechner, historienne. J'ai vu le compteur qui a été découvert. Je vais à une réunion, je vous prie de m'excuser. En ce qui concerne ce plomb, dans certains cas, la Gestapo et la police secrète des SS avaient l'habitude d'employer un codage symbolique. Et ce symbole sur le plomb m'a l'air d'être un signe secret. Où cela va-t-il nous mener? J'ai fait quelques recherches et ce symbole représente une rune. Il s'agit de la rune Turisatz, qui veut dire marteau de Thor. Thor, le dieu Thor? Oui. Oui, ensuite? Martin Bormann était le plus proche confident d'Hitler à la fin de la guerre. Il avait de nombreux pouvoirs et des relations étroites avec Himmler et les SS. Il contrôlait un réseau extrêmement complexe de groupes d'opérations secrètes. Monsieur le commissaire, on a découvert une deuxième horloge. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Je n'ai pas eu le temps d'en découvrir plus. Je peux simplement vous dire que l'un des commandos s'appelait le marteau de Thor. Bien, je vous remercie. Je demanderai à mes experts de vérifier. J'ai noté mon numéro de téléphone. Bon, merci beaucoup. Au revoir. La deuxième charge a été découverte ici, sous la Magdeburger Platz. 80 kilos de TNT. Immergée aussi naturellement, ce qui ne facilite pas les choses. Je vois. Mais qu'avez-vous découvert à propos de cette horloge qui a déclenché l'explosion la nuit dernière? Nous ignorons encore si cette horloge a pu ou non déclencher l'explosion. Les câbles qui partent du compteur sont très difficiles à suivre étant donné qu'ils traversent les murs des canaux. Ils pourraient déclencher d'autres explosions comme la charge qui se trouve sous la Magdeburger Platz. Théoriquement, c'est possible, oui. Néanmoins, le compteur et les explosifs datent du Troisième Reich, selon les informations que nous possédons pour l'instant. Cependant, après toutes ces années, ces munitions pourraient être encore armées. Ah, vous voulez dire que c'est du travail de qualité allemande? Il est possible que nous ayons là tout un système de charges explosives. Une enquête approfondie prendrait des mois. Des mois. Des mois. Malheureusement, ce mystérieux compte à rebours nous laisse à peine 42 heures. Venons-en maintenant aux mesures de sécurité qui devront être prises. Vous appelez cela un rapport d'expertise? Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Ne recommencez pas à me déranger avec une fausse alerte à la bombe. Ce que vous avez fabriqué il y a 3 ans était... était ridicule, je sais. Mais cette fois, nous avons là des explosifs armés. Et un étrange compte à rebours. Il se pourrait que cette affaire ait un rapport avec la police secrète SS, un commando, du nom de Marteau de Thor. C'est en effet le Marteau de Thor qui s'abattra sur ma tête si je me ridiculise aux yeux des autorités avec de telles bêtises. Je veux des preuves solides. Il est inutile de revenir si vous n'avez rien. Et maintenant, je vous prie de m'excuser. Fechner. Schoenecker, directrice du chantier. Nous allons prendre des semaines de retard. J'espère que vous désamorcerez ces explosifs au plus vite. Heureusement qu'on les a trouvés à temps. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer où ils sont, venez. Je l'ai complètement fait craquer. Oh oui, je crois que tu l'as beaucoup impressionné. Un, la bombe. Deux, la blonde. Thank you.
mêmes symboles que sur le compteur. Exactement, oui. Cette sculpture date de l'époque 36-45. Vous aviez raison. Elle a vraisemblablement été endommagée vers la fin de la guerre. Vous avez découvert une belle pièce. Fechner. Madame Fechner, ici Lobenstein du LK. Monsieur Lobenstein ? Oui. Je voudrais vous engager comme conseillère dans mon équipe. Comme conseillère? D'accord. Je termine un travail et je suis à vous. Je vous attends sur la Magdeburger Platz, immédiatement. J'arrive. Lobenstein vient de m'embaucher. Ah, alors tu vas être mon patron? Exactement. Alors prends garde à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on peut désamorcer? La charge est reliée à l'unité d'allumage par un câble qui descend tout droit dans la vase. C'est très risqué. Si on sectionne les fils, on risque de déclencher le mécanisme d'allumage. On ne peut pas le remonter à la surface et un désamorçage sous l'eau... Ouais. Pensez-vous trouver rapidement une solution? À quelle profondeur se trouve la bombe? Environ 8 mètres, d'après ma montre. Je veux dire mon profondimètre. Excusez-moi. Il faudrait un temps fou pour pomper l'eau. Ce qui risquerait également de déstabiliser les grues. Vous allez tout de même commencer. Il y a encore une chose, commissaire. Nous avons trouvé une autre horloge. Je sais, montrez-la-moi. Synchrone à la seconde près. Ça commence à devenir inquiétant. Torisatz. Le marteau de Thor. Vous aviez raison. Et on dirait qu'il y a tout un assemblage de charges explosives. Il nous faut le plan d'après lequel ces maudites charges ont été posées. Sandra, je vais vous procurer un pass pour les archives fédérales. Découvrez l'origine de ce commando au plus vite. D'accord. Compteur, marteau de Thor SS, Ragnarök, Potsdamer Platz. Sandra? Sandra Frank? Il y a une éternité qu'on ne s'était pas vue. Bonjour, Suzanne. Qu'est-ce que tu fais ici? Ragnarök? Ah, c'est pas vrai, tu es vraiment devenue historienne. Comme tu le vois. Tu veux venir prendre un café? Une autre fois, peut-être, j'ai trop de boulot. Je suis désolée, je n'ai vraiment pas le temps. D'accord. À bientôt. Allô, c'est Suzanne. Passe-moi le rédacteur en chef. Il est occupé? Je crois que je tiens un scoop d'enfer. «
Vous allez redescendre, les gars. Nous avons décidé de désamorcer les charges. Ou au moins de regarder les choses de plus près. C'est mieux que de rester à ne rien faire. Oui. Et s'il y a un système, on pourra peut-être le neutraliser en désactivant un élément du circuit. C'est vrai que ça vaut le coup d'essayer. Avec 80 kilos de TNT, la moitié des fondations pourraient partir en fumée. Alors allez-y doucement. Qui va s'en charger? Il s'agit d'une intervention délicate. Je vais m'en occuper. Hé. C'est mon jour de chance. Et je finis toujours ce que j'ai commencé. Je ne sais pas comment c'est installé. On doit suivre le câble. Je ne comprends pas. Il aurait pu désamorcer la charge. Celle-ci, oui. Mais elle est peut-être couplée avec une deuxième. Il y avait un troisième circuit auquel je ne m'attendais pas. Relié à une autre bombe. Une autre bombe? Chaque explosif a une sorte de partenaire, pour ainsi dire. Oui, ils sont reliés. Si on en déconnecte un, on fait sauter l'autre automatiquement. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Neutraliser toutes les unités en même temps. D'accord, je comprends. Et que proposez-vous? S'il s'agit d'un couplage, il y a forcément une unité centrale. Il faut la trouver. Oui, il n'y a pas de problème. Le centre de Berlin, c'est rien. Je vois pas d'autre solution. Nous sommes assis sur un baril de poudre avec je ne sais combien de bombes encore là, en dessous, qui risquent de pulvériser le centre-ville de Berlin. Et si ça pète, ce sera moi qui sauterai. Alors, où en êtes-vous? Voilà. Le commando Marteau de Thor remonte à 1944. C'était Martin Bormann qu'il contrôlait. Un autre nom apparaît souvent. Celui de Victor Licken. Il dirigeait le commando? Oui, ce devait être lui. Bon, c'est un début. Oui, c'est à peu près tout. Enfin, il y a aussi un dossier concernant l'opération Ragnarök. Ragnarök. Oui, qu'est-ce que ça me rappelle? Dans la mythologie scandinave, Ragnarök signifie le crépuscule des dieux. Le crépuscule des dieux. C'est tout ce que j'ai appris sur l'opération, malheureusement. Parce que le microfilm, juste à cet endroit-là, est endommagé. Ah. C'est peut-être un hasard, mais tout le passage concernant Ragnarök est illisible et il n'y a pas une seule copie du microfilm aux archives. C'est tout de même une étrange coïncidence. Le marteau de Thor a peut-être survécu au Troisième Reich. Jusqu'à nos jours.
Sandra? Sandra? Quelle heure est-il? 2h du matin. Tu ne veux pas aller te coucher? Je n'ai pas le temps. Vous avez avancé? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une machine infernale nazie qui a été activée. Je ne trouverai jamais le sommeil. Ouais, moi non plus. Je vais nous faire un café. Qu'est-ce que tu cherches? C'est Thor. Et son marteau, Mjolnir, forgé par des nains, invincible. Le symbole sur le plan. Le marteau de Thor. Ragnarök. Les nazis et leur dernier roulement de tambour. Le crépuscule des dieux. Et la fin du monde. Les géants et les monstres attaquent le monde des dieux. Thor tue le serpent Midgard et meurt empoisonné par son venin. Le soleil devient noir, les étoiles s'éteignent, le feu s'élève au firmament. Mon dieu. La terre sombre dans l'océan. Cependant, elle renaîtra. Ravivée et purifiée. Elle portera quantité de fruits et de nobles hommes qui seront immortels vivront dans les salles dorées un infini bonheur. Tu es en train de rêver les yeux ouverts. On devrait peut-être aller dormir maintenant. Martin Bormann, c'est lui qui a créé ce commando. Va voir ton grand-père, il était sous les ordres de Bormann à l'époque. Je n'irai jamais. J'ai pas besoin de l'aide de mon grand-père. Mais donne-lui au moins une chance. Tu détestes les bureaucrates, je sais. Mais tous les banquiers sont comme ça. Alex, c'est un vieux nazi. Ouais. Il t'a tout de même élevé quand tes parents ont disparu. Il y a combien de temps que tu ne l'as pas vu? S'il te plaît, ne parle pas de ça. Tu n'as pas fait du café? Hypothèse, conjecture, ce n'est pas cela qui nous fera avancer. Qu'allons-nous faire de la dernière charge explosive? Rendez-vous compte de ce que vous dites, commissaire. On trouve deux bombes et un vieux compteur qui date de je ne sais quand. Et les démineurs se dépêchent d'en conclure que nous avons affaire à un système en série. Oui. Ces gens sont des experts. Oui. L'expert du LKA, lui, est d'un tout autre avis. Ensuite, vous citez une historienne qui déborde d'imagination et qui n'hésite pas à affirmer que ce prétendu système de charges explosives est l'héritage d'une organisation secrète des nazis. Et elle fonde sa théorie sur un symbole qu'elle a découvert. Oui, le marteau de Thor. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés devant le tic-tac de l'horloge. Nous devons évacuer. Veillez à ne pas vous laisser encore mener par le bout du nez, commissaire. Une bombe de la dernière guerre a explosé. Malheureusement, quelqu'un a trouvé la mort. C'est très triste. Cependant, il n'y a aucune raison d'agir précipitamment. Et si d'autres bombes font encore des morts? Si jamais le feu détruit les somptueux bâtiments de la Potsdamer Platz et aussi du gouvernement? Le marteau de Thor visera le cœur de Berlin. Dans 18 heures. Il va de soi que je prendrai les mesures qui s'avéreront nécessaires, dans la limite du raisonnable. Tout comme vous. Vous êtes bien secondé, travaillez sans relâche. Je ne peux tout de même pas me fonder sur de vagues conjectures pour faire évacuer la moitié du centre-ville.
Ce Lobenstein du LKA devient inquiétant. Non, non, je vais m'occuper de lui. Mais il m'est impossible de me charger aussi de ses experts. Sandra, tu ne veux pas que je t'accompagne ? Occupe-toi des explosifs. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais me débrouiller toute seule. D'accord. Dis à Lobenstein qu'avec Kahle, on va revérifier le parcours des câbles. Il doit y avoir un moyen de trouver l'unité centrale. Alex, j'ai peur pour toi. Hey. La chance ne m'a jamais laissé tomber. C'est ce qui me fait peur, justement. Tu crois que tu es... Madame Fechner. Bonjour. Avez-vous découvert quelque chose sur Victor Lincoln ? Oui, venez. Il était très proche de Bormann. Il a disparu à la fin de la guerre sans laisser de traces. J'ai même contacté les services secrets israéliens, sans résultat. Il n'y a même pas une photo d'archive de lui. Cet homme est un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On pourrait entrer en contact avec mon grand-père. Il était officier de liaison à la sécurité du Reich. Et c'est maintenant que vous dites ça. Venez, allons-y. Quelle surprise de te voir. Ah, c'est bien toi, Sandra. Ah, ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Ah, quelle joie de te voir. Je suis contente, moi aussi. Et tu vas bien? Tu as besoin d'argent? Tout va bien, merci. Est-ce que mon grand-père est là? Oui, oui, oui. Il est en haut. Il nettoie ses fusils. Je vais aller le prévenir. Oui. Oh, quelle joie. Quelle joie de te voir. Allons-y. Un parent ? Ma grand-mère l'a recueilli à la maison quand toute sa famille est morte dans un bombardement. Alors depuis, il est un peu dérangé. Je comprends. Sandra. Bonjour, grand-père. Pourquoi tu ne m'as pas averti ? J'aurais préparé quelque chose. Je voudrais te présenter le commissaire Lobenstein, mon grand-père. J'ai l'impression qu'il est arrivé un malheur. Oui, c'est grave. Grand-père, on a besoin de ton aide. Pour que dans 18 heures, il n'arrive pas un malheur encore plus grand. Kahle, tu vas fouiller le côté est des fondations. On perd notre temps ici. Il y a peut-être d'autres explosifs, mais l'unité centrale est forcément à la surface. On n'en est pas sûr. Si, elle est forcément là. Allez, pas de discussion. C'est un vrai gruyère ici. Il faudra un temps fou pour tout fouiller. Votre temps est compté, ne t'en fais pas. Commissaire, en quoi puis-je vous être utile ? Est-ce que le nom d'un certain Victor Lincoln vous dit quelque chose ? Il y a longtemps qu'on n'avait pas prononcé ce nom. Tu as donc connu Lincoln ? Oui, il travaillait pour Martin Bormann à l'époque. Très bien. Et que savez-vous de lui ? Pas grand-chose, à vrai dire. Pour nous, les jeunes, il était un modèle à l'époque. Un personnage charismatique. L'exemple même du SS, bien sûr. Intelligent, suffisant, un sang-froid à toute épreuve. C'est ça, il était exceptionnel. On devra tous prendre exemple sur lui. S'il vous plaît, continuez. Je vous en prie. Je n'en sais pas beaucoup plus. Seulement, une chose. Bormann,
lui-même interrompait des discussions importantes quand Lincoln apparaissait. Il n'avait cette attitude que lorsque le Führer, lorsque Hitler en personne entrait. Monsieur Frank, avez-vous été informé du projet Ragnarök? Non, ça ne me dit rien. Oui, ça aurait été trop beau. Nous avons déjà du mal à obtenir des renseignements sur Victor Lincoln. Lincoln était dangereux. Tout le monde le savait. Il valait mieux ne pas lui marcher sur les pieds, sinon... Ben oui. Cher monsieur, je vous remercie. Et appelez-moi si jamais quelque chose vous revient. Il est important que nous sachions à quoi Victor Lincoln et le groupe Marteau de Thor travaillaient exactement à l'époque. Le Marteau de Thor? Mais ce commando n'a jamais existé. Une simple rumeur. Si, il a bien existé. Nous avons des preuves. Attendez. Vous dites que le marteau de Thor n'était qu'une rumeur? Oui, c'était une pure invention. Le bruit courait que des experts en explosifs devaient veiller à ce que Berlin, en aucun cas, ne puisse tomber entre les mains d'un occupant éventuel. Mais je suis sûr que ce n'était qu'une invention. Non, grand-père. Je crois que tu fais erreur. Le marteau de Thor a véritablement existé? Nous avons découvert quelque chose. J'ai quelque chose. 4 mètres à gauche de l'entrée. Commence par vérifier. Je te rejoindrai quand j'aurai fini ici. Gagné. Un plomb avec notre symbole. Fais bien attention. Dans le mur. Le tuyau passerait peut-être dans le trou. Où se trouve ce trou exactement? 3 degrés sud-sud-est. Il forme un angle de 30 degrés avec le sol. Bon, c'est déjà ça. Alex, remonte. Je vais te donner le tuyau. Et toi, Karl, pas de panique. On pourrait faire des recherches. S'il y a quelque chose, je ne vous promets rien, mais... Ce doit être, à mon avis, dans les archives du SED. Je vous remercie. Merci. Il admire Lincoln. Vous avez remarqué? Au fond, il est nostalgique de l'époque nazie. Nous avons une piste, au moins, maintenant. Il serait peut-être même content si les nazis arrivaient à se venger des alliés 50 ans plus tard. Je vous trouve très injuste envers votre grand-père. Je crois que vous lui en demandez trop. Un minimum d'humanité. C'est trop lui demander? Vous me faites penser à ma fille. Elle est persuadée qu'elle sait ce qui est bien pour moi. Alors elle me harcèle sans arrêt. Et elle est profondément vexée quand ma conduite n'est pas à la hauteur de ses espérances. Kalle, j'ai le tuyau. Alex! Alex, dépêche-toi! Où est ce maudit trou? Sur ta gauche, à mi-hauteur environ. Ah oui, je le vois. Fais vite! Dépêche-toi! Je n'ai presque plus d'air! Allez, magne! Je ne vois rien, il faudrait faire passer de l'air.
Enlève le tuyau de ton masque et envoie l'air qu'il te reste par le trou. C'est ta dernière chance. D'accord, j'y vais. Bon, on va tenter le tout pour le tout. On y va. Alex, je glisse le tuyau. C'est bon, je le vois. Tu y es arrivé ? Alex, Cal ? J'envoie de l'air ? Oui, tiens, voilà de l'air. Alex, qu'est-ce qui se passe ? Où est le tuyau ? Merde, il ne passe pas. Calme-toi, Cal. Alex ! J'ai bientôt fini. Alex, dépêche-toi ! Calme-toi, Cal, calme-toi. Cal, je ne tiens plus. Envoyez l'air ! Nom de Dieu, le tuyau est trop court. J'étais foutu. Respirez profondément. Occupe-toi de Kale, s'il te plaît. Je crois qu'il vaut mieux ne pas le laisser seul. Désolé, il faut que je redescende. Pourquoi faire ? Cette conduite était un piège. Il y a un squelette là, au fond. Il pourrait peut-être nous aider. On va aspirer la base et puis on verra ce qu'il faisait là en bas. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On le tient. Apparemment, il y a un moment qu'il est là. Il a un joli trou dans le crâne. Et une médaille de la Wehrmacht autour du cou. Ne le touche pas ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma chance vient de m'abandonner. C'est incroyable qu'on parvienne à retrouver quelque chose dans ces vieux dossiers. À la fin des années 60, les archives ont été scellées. Il y avait un système de classement en ce temps-là. Il faut que nous le retrouvions. Mon grand-père serait heureux ici. Il s'épanouirait. Il s'épanouirait ici ? Oui, regardez, une photocopie du temps de la RDA. Perforation déchirée, copie noircie et froissée. Il n'aurait jamais toléré cela. Avec lui, il faut que le travail soit impeccable, parfait et à rien. Il nous faut Berlin 1944. Entrée spéciale. Procès verbal, Niemeyer. Niemeyer ? Qui est-ce, Niemeyer ? Les dossiers sont classés en fonction du nom des greffiers. Ragnarök. Il n'y a rien. Quelqu'un a dû subtiliser le dossier. Je ne crois pas. Je pense que c'est une erreur de classement. Oui. Les documents ne sont pas là parce que le dossier était plein. Et quand le dossier est plein... Oui, eh bien. On sort les documents pour les ranger dans un autre dossier. C'est merveilleux. Ragnarök. 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 Tout un dossier. Oui, mais que des décomptes, rien d'essentiel. Regardez. Les salaires du commando. Vous voyez le nom tout en haut ? Officier d'artillerie, Victor Licken. Et voilà. Nous avons là tout le personnel du commando Marteau de Thor au grand complet.
Où en êtes-vous avec notre ami? Celui-là, je n'ai pas fini. On répertorie les os, ça prendra du temps. Et puis il faudra déterminer son âge, espérons qu'on aura la chance avec les dents. Ah bonjour, commissaire. Nous nous passons des politesses. Vous avez du nouveau? Dans les débris du dispositif d'allumage, nous avons trouvé des restes de transistors. Oui, et alors? Ces transistors ont été fabriqués après la guerre. Je ne comprends pas. Vous aviez dit que les explosifs étaient d'authentiques vestiges du Troisième Reich. On peut donc en conclure que depuis, Ragnarök a été entretenu et modernisé. Oui. On peut imaginer que tous les explosifs doivent être en excellent état. Bon, puisque nous en sommes aux mauvaises nouvelles, nous avons retrouvé, grâce à l'aide efficace de Madame Fechner, le dossier comptable du commando Marteau de Thor, ainsi qu'une commande de matériel acquitté. Justificatif de commande. Ce n'est pas vrai. 800 tonnes d'explosifs. Le marteau de Thor les a commandés et conservés. Si tout cela explose vraiment, que Dieu nous protège. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton grand-père? Tu veux vraiment le savoir? Il n'a pas changé. Il est toujours facho. C'est révoltant. Il t'a tout de même mis sur une piste. Tu viens? Cette médaille me prend la tête. Je n'arrête pas d'y penser. J'ai comme l'impression qu'elle est importante. Tu m'as dit que tu n'arriverais jamais à la retrouver et il nous resterait peu de temps. Oui. Occupe-toi de retrouver ceux qui ont maintenu le système actif jusqu'à nos jours. Et je m'occupe de l'unité centrale avec Kala. D'accord? Alex? Oui. Sois prudent. Sandra, c'est ton grand-père. J'ai pensé qu'il valait mieux que je commence par t'appeler. J'ai essayé de me renseigner sur Lincoln. Et je crois que j'ai fait une découverte intéressante que je tiens absolument à te montrer. Merci. Je te jure que si jamais j'attrape le type qui a installé ce piège, il va passer un sale quart d'heure. Bon sang, pour la première fois, j'étais sûr que j'allais rester. J'ai cru que mes poumons explosaient. Et brusquement, je ne sentais plus mes jambes et je ne voyais plus que du noir. Un manque d'oxygène prolongé. Hop là. Enfin, espérons que tu n'auras aucune séquelle. Ne fais pas de bile, je suis solide. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben... c'est vrai qu'on a des chances de réussir, mais c'est super risqué. Oh, t'en fais pas, on en a vu d'autres tous les deux. Ah oui? Seulement, tu ne sais même pas si ta route est praticable, Alex. Tu auras sûrement du mal à te frayer un chemin. Et puis d'ici que tu aies retrouvé cette putain de chaîne sur ce squelette, les deux tiers de ton air se seront envolés. Tu veux te noyer? Oui, mais qu'on le veuille ou non, tout repose sur nous. À Berlin, personne ne se doute de quoi que ce soit. Cette médaille pourrait nous conduire au type qui a installé le piège et le circuit d'explosifs.
Il faut que je tente le coup. C'était dans la poche ce soir avec la serveuse. Ne crois pas que j'irai te sortir d'une mauvaise passe sous prétexte que tu m'as sauvé la vie ce matin. N'aie pas peur, je serai prudent. Arrête, tu me fais rire. Contrairement à toi, j'ai une femme et un enfant. Un enfant? Mais oui, on y travaille. C'est dingue que tu puisses penser au sexe maintenant. Tu as trouvé quelque chose? Comme tu le sais, j'entretiens encore des relations avec mes vieux amis d'autrefois. Et j'ai fait quelques recherches sur Victor Licken dans le domaine de la finance. Il est en vie? Il doit avoir plus de 80 ans? Non, non, Licken est mort. Cependant, c'était un homme qui prévoyait les événements longtemps à l'avance. Il aurait trouvé un successeur qui aurait poursuivi Ragnarök après sa mort? C'est exact. Je me suis rappelé que la famille Licken possédait une grosse fortune en Hollande. Si Licken s'est caché à la fin de la guerre, il a certainement dû veiller à ce que son argent ne se perde pas. Je comprends, tu as suivi la trace de l'argent. En effet. Et voici la liste des sociétés qui ont reçu des fonds de sa fondation. Grand-père, il y a des ombres sur la photocopie. Oh. Ah. Oui, j'ai fait ce que je pouvais. Je me suis donné du mal, tu peux me croire. D'accord. L'argent de Licken était placé dans une fondation et il a ensuite été versé à des entreprises, une cinquantaine environ. Il a fait cela avec un talent extraordinaire. Ce n'est pas étonnant. Déjà à l'époque, il passait pour être brillant. C'est un criminel. Des milliers de gens sont morts à cause de lui. C'était la guerre. Et si tu crois que de l'autre côté, il n'y a eu aucune extermination, tu te trompes. Arrête un peu. Arrête, ça suffit! Je ne supporte plus de t'entendre défendre Hitler et ces individus abjects comme s'ils avaient été les chevaliers du Graal. C'étaient tous des bourreaux, des êtres malades, qui se gorgeaient en riant du sang de leurs victimes et se prenaient pour des êtres supérieurs. Et de toutes ces créatures pitoyables, tu es la plus repoussante. Qui est-ce? Lobenstein? Non. Je n'ai dit à personne que je venais. Alors qui ça peut être? C'est très bizarre. Qu'est-ce que vous voulez? Non! Non! Ils ont abattu Henschen. Quoi? Ils ont des lunettes à infrarouge. C'est le seul endroit où tu puisses te cacher.
J'ai dû enfreindre les règles de la chasse. Jen. Grand-père? Papy? Papy? Allô, monsieur Lobenstein. C'est moi, Sandra. Je suis chez mon grand-père. Ils l'ont tué. Merci d'être venu. Vous avez vu qui c'était ? Je les ai entendus s'en aller. Mon grand-père m'avait caché. Il est dans le jardin. Fouillez la maison. Bien. Ah, avec moi. Et vous, vous passez par derrière. Sandra, qu'est-ce qu'il cherchait ? Il avait découvert quelque chose à propos de Lincoln et de sa fortune, un groupe d'entreprises. Je ne sais plus. Alex, t'es presque sur la réserve. Comment tu vas faire pour revenir avec une bouteille vide ? Je crois que je suis à la case 7 du plan. Je prends à droite ? Oui, à droite, t'es bientôt arrivé. Je vois le conduit. Merde, c'est trop étroit. Je ne passe pas avec mon équipement. Laisse tomber, Alex. De toute façon, tu n'as presque plus d'air. Il faut que tu remontes. Pas de problème. Alex ? Alex ? Alex ? Réponds-moi. Merde. Merde.
Comment voulez-vous procéder? Il est beaucoup trop tard pour une évacuation en bonne et due forme. Alors nous nous passerons de la forme. Nous devons évacuer. Nous sèmerons la panique, Lobenstein. Il y aura des incendies, des morts, des blessés. Monsieur, là dehors, il y a une machine infernale. Nous devons prévenir les gens. Vous ne pouvez tout de même pas souhaiter la mort de milliers de personnes. Nous avons encore l'espoir de les sauver. C'est elle qui vous a rendu paranoïaque. Vous êtes arrogant et irresponsable. Je commence à en avoir assez maintenant. Je vais avertir le maire si vous ne nous donnez pas tout de suite l'autorisation de prendre... Ça va être infernal. Mais vous allez l'avoir, votre maudite évacuation. Je vais réunir le maire et le directeur de la police pour une séance extraordinaire. Et ordonner avec vous l'évacuation immédiate des secteurs concernés. Le marteau de Thor va bouleverser le monde. Car à vous s'il n'y a pas d'explosion. Vous êtes satisfait, Lowenstein? Voilà. Nous évacuons. Voilà. Bon. Ça va? Voilà. Ça va aller. Oui. Vous êtes fou de vous montrer ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais justement appeler. Je dois maintenant mettre un terme à notre relation. Je ne veux plus que vous exerciez de pression sur moi. Nous ne laissons personne nous poignarder dans le dos, espèce de traître. Dommage que votre cœur soit malade. Nous évacuons. Dommage, ça devenait intéressant. C'est-à-dire? Ce truc-là est très corrodé. Le contraire m'aurait étonné. Et ensuite? C'est une médaille de l'escadron d'Himmler, portant le numéro L14-09-07-1811-B, de l'escadron de sécurité. À qui elle était? Avez-vous trouvé le nom? Pas encore, non. Paul, téléphone! Allô, oui? C'était le numéro du SS Victor Licken. Licken? C'est une erreur, c'est impossible. Je veux bien faire une analyse spectrale, mais cette médaille est authentique. Je suis prêt à parier la mémoire de mon ordinateur. Où en êtes-vous avec le cadavre? Ah oui, attendez. Mort violente, comme nous l'avions prédit. Une balle dans la tête tirée d'en haut d'un angle de 45 degrés. Joliment visée, absolument fatale. Ce Licken m'a tout l'air d'avoir été assassiné. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Licken était notre seul indice. Je vous donne une demi-heure pour évacuer le bâtiment. Regardons les choses en face. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Peut-être que nous y arriverons. À l'époque, les bâtiments devaient déjà exister. Et être reliés à l'ancien réseau des égouts. Je suis sûr que c'est quelque part dans ces canaux-ci qu'on trouvera la clé de l'énigme. Non, 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 non. L'unité centrale devait forcément être accessible. Elle ne peut pas être immergée. Hein. Dans l'ancienne centrale électrique. Moi, je pense qu'elle est là. Oui, mais là, elle aurait déjà été découverte. Pourquoi? Elle est désaffectée depuis longtemps. L'usine également. Je suis persuadé que c'est là. On va à l'usine pour commencer. Qui est là? C'est Sandra. Sandra Fechner, la petite fille de Monsieur Frank. Bonsoir. Est-ce que mon grand-père est venu aujourd'hui? Bonsoir, mademoiselle. Oui. J'aurais pu gagner, non? Et j'aurais pu avoir raison pour une fois. C'est pas grave, tu t'en remettras. À chaque fois qu'il vient, il me dit que je devrais m'acheter une meilleure photocopieuse. Mais avec quoi, je vous le demande?
Avec quoi? Qu'est-ce qu'on cherche exactement ici? Si on se fie aux explosifs qu'on a découverts, on peut être sûr qu'ils ont bien caché l'unité centrale. Et qu'ils ont installé un dispositif de sécurité à toute épreuve. Il y a quelque chose qui consomme du courant ici. Incroyable. Tu as vu comme c'est grand? On ne trouvera jamais rien. Scala? Apporte la scie. On les neutralise par réflexion ou on les court-circuite? Non, on ne pourra pas. On ne peut rien faire sans le code. Il y a peut-être un autre accès. Il faut trouver le type qui entretient l'installation. Et on vous met en attente. C'est toujours pareil. Je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nom de Dieu? C'est bon, je les ai retrouvés. Retrouvés quoi? Les listes qu'on avait volées à mon grand-père. On n'a plus le temps, c'est trop tard. Il n'y a qu'une solution, évacuer. J'ai retrouvé Victor Licken. Licken est mort. Dans le personnel du commando Marteau de Thor qu'on a retrouvé aux archives du SED, il y avait un caporal-chef, Jörn Schmitz. Jörn Schmitz? Et alors? Le caporal-chef était un gradé de la Wehrmacht, alors que tous les autres membres du commando étaient des SS. Oui, et ensuite? Supposons que Licken ait prévu la chute de Berlin. Il fait donc des préparatifs pour son départ. Il supprime quelqu'un qui meurt à sa place. Et il prend l'identité de sa victime, qui ne doit pas être un SS, bien sûr, car il risquerait plus tard d'être poursuivi par la justice des Alliés. Alors Licken a bien survécu. Oui. Il s'est fait passer pour le Jörn Schmitz que j'ai retrouvé. Oh. Au conseil d'administration d'une société financée grâce à la fortune de Licken. Domicilié à Berlin. C'est Licken, une fois de plus, qui tient les rênes. Allons-y. Attention! Alex, écoute, on a essayé de me tuer avec Lobenstein. C'est pas vrai. Essaie de te calmer, Sandra. Écoute, j'ai retrouvé Licken, il est en vie. Il s'appelle Schmitz. Je vais empêcher cette ordure de nous détruire. D'accord? Sandra? Sandra! Alex, qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
Mademoiselle, vous désirez ? Monsieur Schmitz est là ? Puis-je savoir qui vous êtes ? Sandra Fechner, la petite fille de Heinrich Frank. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que... Ce n'est pas très grave. Il suffit que votre patron comprenne. Je suis désolé. Monsieur Schmitz s'est occupé. Non, il va me recevoir. Dites-lui que je veux lui parler de Victor Licken et de certains documents explosifs. Vas-y, fouille-la. Tenez. Merci. Allez-y. Bien sûr. Albrecht, promets-moi de rester gentiment sur le yacht. Dans 2 heures, ton grand-père sera là. Ouais. Eh oui, tu es mon petit-fils chéri. Eh, les petits-fils, ils vous mènent par le bout du nez. Épargnez-moi votre cirque. Je sais qui vous êtes. Victor Licken. Pardon ? Arrêtez Ragnarök, tout de suite! Enfin, calmez-vous. Expliquez-moi d'abord de quoi vous parlez. Qui est Ragnarök? Ragnarök détruira Berlin. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Non, mais c'est une mauvaise plaisanterie, n'est-ce pas? Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous avez abattu Jorren Schmitz pour pouvoir prendre son identité. Je ne m'appelle ni Victor Licken, ni Jorren Schmitz. Mon prénom est Joachim. Mais si ce que vous dites est vrai, pourquoi ne prenez-vous pas les autorités? Faites-le et je vous aiderai. J'ai beaucoup de relations. Tenez, vous appelez, je peux le faire même, si vous voulez. Vous venez, Licken. On y va. Où allons-nous? Mademoiselle. Voir votre feu d'artifice. Allons-y. Vous ne pourrez pas arrêter Ragnarök. Moi? Non, vous allez le faire. Mais pourquoi le devrais-je? C'était bien joué. Viens, papy. Kalle va s'occuper de vous. Vous allez retourner à la centrale avec le matériel. Tu as pris ton portable? Oui. Et vous êtes sûr que ça va marcher? On n'a pas le choix. Je reviens tout de suite. D'accord. Je vais arrêter Ragnarök. J'ai voué ma vie à Ragnarök, toute ma vie. Et s'il le faut, je lui vouerai aussi ma mort. Vous avez l'air persuadé que votre attentat réussira. Une boule de feu. Et la capitale de l'Allemagne sera réduite en cendres. Vous ne pourrez pas changer le cours de l'histoire. J'admire votre calme.
Moi, au moins, je sais pourquoi je meurs. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi mourrez-vous? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes-vous jamais intéressé à l'évolution? L'évolution nous apprend comment s'effectue la sélection naturelle. C'est le plus fort qui gagne. Comprenez-vous? Hitler avait une vision d'une audace extraordinaire. Taisez-vous, j'en ai assez entendu! Voilà l'essence de Ragnarok. L'instrument invincible. Le feu purificateur. Le monde, à l'image du phénix, renaîtra de ses cendres. Et seuls les plus forts survivront. Vous croyez vraiment à ces sottises? Vous déterminez le bien et le mal. Vous décidez de qui doit vivre ou mourir. Mon Dieu. Votre idée de Dieu est fausse, loin de la vérité. Dieu n'aime pas les faibles. Dieu aime les vainqueurs. Maintenant, libérez-moi, Sandra. Sinon, notre mort sera parfaitement absurde. Comme celle de mon grand-père. Il vous admirait, Lincoln. Cet homme était de votre côté. Vous avez sa mort sur la conscience. Salopard. Il voulait absolument regagner le respect de sa petite fille. Il était prêt à nous trahir pour cela. Oui. C'est ce qu'il grandit à mes yeux. Alors que vous ne changerez jamais. Vous pensez qu'on vous devra le respect quand vous aurez mis le monde en feu. Vous voulez que je vous dise? Vous me faites pitié. À genoux. Vous avez une idée en tête. Vous ne voulez pas mourir ici, vous devez avoir quelque chose en tête. Salut, Lincoln, vieille branche. Je vous ai amené de la visite. Albrecht! Grand-père! Oh.
C'est vrai ce qu'il raconte? Tu as posé des bombes? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu es l'homme le plus gentil de la Terre. J'avais kidnappé cet enfant? Il est venu de son plein gré. Mais je ne peux plus arrêter la machine, quand bien même je le voudrais. Écoutez, Lincoln, nous savons où se trouve l'unité centrale. Alors maintenant, donnez-nous ce putain de code. Grand-père, s'il te plaît. Lincoln! Bien, c'est entendu. Je vais vous le dire. Je vais tout vous dire. Tout ce que vous voulez savoir. Super. L'anniversaire d'Hitler. On aurait pu y penser tout seul. Je suis entré. Et après? Retirez la grille. Merde. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Calme-toi, calme-toi. Lincoln va continuer de te guider. Coupez d'abord le circuit de sécurité. Ce sont quatre pieds verts. 1 sur 8 heures, 1 sur 12 et 2 sur 3 heures. J'y vais. 8 heures. La plaque de métal par terre. Vite, vite! Bon sang, mais dépêchez-vous! Plus vite, plus vite! Attention à la plaque! Ne la tournez pas! Est-ce que vous voyez la bulle d'eau? La plaque est équipée d'un détonateur flottant. Passez les fils de sécurité! Il n'y arrivera pas! Il n'a plus le temps! Ça y est, on peut continuer. Il n'aura pas le temps, il n'aura pas le temps. Je suis désolé, c'est trop tard. Pardonne-moi, Albrecht. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Alex. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas sauté. Il y a eu une défaillance. C'est pas possible. Alex? Vous n'avez rien à vous reprocher. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de défaillance. Alex? Vous croyez que j'aurais mis votre petit-fils en danger? Alex, réponds-moi. Vous n'avez pas... Alex, t'es là? Oh, grand-père! Lincoln! Hé, hey, réponds-moi, nom de Dieu! Grand-père, Lincoln. Grand-père! Alex! Alex! Oh. Qu'est-ce que vous faites? Grand-père! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Alex! Hey! Alex, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi! Lincoln est mort. Comment ça? Merde. Ça va aller. Ne panique pas, tu vas te débrouiller.
D'accord. Alex, écoute. Un mécanisme tout simple, avec une sorte de détonateur émaillé. Tu en es sûr? Évidemment, puisque je te le dis. Je suis juste devant. Perceuse. Forêt 5. J'écoute. C'est bon, la mousse a durci. Le mécanisme ne bouge plus. Autrement dit... Ragnarok est détruit. Alex? Je l'ai toujours su. T'es un mec génial. C'est vrai, Alex. Je suis vraiment formidable. Je crois bien qu'il a souri. Il va s'en sortir, hein? Sandra, j'ai bien réfléchi. Je t'écoute. Je crois que je vais laisser tomber ce boulot. Mais il y a encore des bombes sous la ville. Oh. Kale se débrouillera. Ah oui? C'était drôlement excitant. C'est plus marrant que de passer son temps dans les dossiers et les bouquins. En échange, je prends ta place. Oui, d'accord. Et je m'occuperai tout seul du bébé. Quel bébé? Ha ha ha.